Aujourd'hui, MadeInAvignon.com a testé le golf pour vous, en compagnie de David Ginola et d'Alain Bogossian. C'est parti. Comment vous êtes venu au golf en fait ? Vous ne lisez pas les journaux. Ben si, justement. Non, je suis venu au golf après ma carrière de footballeur. Et puis voilà, j'étais en Espagne, je m'ennuyais un petit peu, on va dire. Et puis voilà, j'ai découvert ce nouveau sport qui est pour moi maintenant mon sport favori, puisque j'y passe beaucoup de temps, peut-être plus de temps que quand j'étais footballeur, puisqu'on passe 5 heures sur un parcours de golf et que sur un terrain de football, quand on s'entraîne, on passe que 1 heure et demie. Donc je passe beaucoup plus de temps au golf que ce que je passais de temps au football. Ce parcours, je le connais relativement bien. Je l'ai toujours joué soit dans le vent, soit sous la pluie. Bon, j'espère qu'aujourd'hui le temps va tenir et que le vent, ben, apparemment, ça souffle un petit peu. Je pense que ça va se lever en fin de matinée. Mais bon, sinon le parcours est agréable parce que compte tenu de tout ce qui est tombé là, depuis hier, le parcours a l'air d'être très bien. Il y a un birdie au 1, par au 2, plus 1. Non, c'est bien, mais bon, il est difficile. Et puis bon, là, comme on joue, il place leur balle. Moi, j'essaie de jouer le green quand il y a des trous de 200 et quelques mètres. Depuis qu'on a l'occasion de se rencontrer souvent avec David et Alain, puisqu'on habite dans le sud de la France, on a l'occasion de faire des parties souvent ensemble. Et donc, à partir de là, on s'accroche, on essaie de faire d'essayer de devenir l'équivalent d'Alain, mais ça, c'est très difficile parce que lui il s'entraîne tous les jours, il fait ça tous les jours pratiquement. Donc bon, après David joue un peu plus, moi je joue, mais bon, beaucoup moins parce que j'ai une activité à côté. À gauche, on a touché, à mon avis. Oh putain, elle a touché quand même, elle a touché la terre en haut là-bas. Pardon, Ginola, il m'a l'air de frapper. Ah oui, mais il est Ah oui, vous avez pas vu. On avait goût. Un joli coup joué, ça rapporte combien? Ça commence par 5 centimes d'euros, mais après ça va en augmentant au fur et à mesure. Donc au 18e trou, ça fera cher quand même, le bon coup. Pas commencer trop fort non plus, parce qu'après il n'a plus de sous pour rentrer. Et ça c'est parce que j'ai bien joué. Tout va bien, il a un billet vert. Allez les verts. Comment vous le trouvez ce golf? Très beau, c'est la première fois que je viens ici au Grand Avignon. Et je trouve un parcours vraiment très bien préparé, très beau, de beaux greens, un fairway fantastique et puis cette végétation qui est magnifique dans un golf. On aimerait bien avoir toujours des golfs comme ça. Et je pense que c'est vraiment félicitations au greenkeeper, à l'ensemble des jardiniers, parce que c'est vraiment un très beau jardin. Il y a beaucoup de coupés. C'est Lopez. Oh, elle est belle celle-là, Lopez. C'est magnifique. Sympa, non ? Oh ! Ah, ça monte, non ? Bah déjà c'est le club. Ça déjà c'est le club. Ah celle-là est pas mal. Allez, casse tout. Yes. Putain le spin, non. Merde. Oh là, j'ai pas le bon club. Hein. Ball ! Ball ! Ball ! Oh, attention ! Ball, il a fait exprès ! On va la police ! C'est lui ! C'est lui. On va l'adresse ! Coup d'essai. Cette balle, elle est pour MadeInAvignon.com.